Bonjour à tous, c'est Bit61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 0, donc pour le chapitre 52. Donc c'est parti, on va continuer du coup l'entraînement spécial. Entre deux, je vais sûrement faire un petit tour d'hôtesse pour refaire un entraînement spécial derrière. Et après du coup, après deux entraînements spéciaux, on va faire le défi contre le club Vénus pour avancer le... histoire et du coup accéder à la dernière zone, hein, à notre dernier rival finalement. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir faire l'entraînement spécial directement puisque dans la vidéo précédente, en fait, après l'enregistrement, j'ai fait un petit tour de test. Donc c'est parti avec Ibiki pour son service client numéro 3. Bonjour. Très bien. Et hey, Ibiki-chan, prête pour un peu plus d'entraînement? Oui. Bien sûr, j'attends ça avec impatience. Tout à fait, mais tu dois toujours me traiter comme un vieux client ordinaire. Haha, pas de problème. Je vais faire de mon mieux. Bon alors, on y va. Zorjo. Tu veux essayer de me poser des questions cette fois, Ibiki-chan? So ne. Ja, Majima-kun, kodomo wa suki? Hein? Les enfants? Hum. 前にも言ったけど私、年の離れた弟がいるじゃない?だから子供好きか気になって。なるほどな。Je vois les enfants. Alors, trois choix, je n'aime pas les enfants, les enfants ne m'aiment pas, j'aime les enfants. Les enfants ne m'aiment pas. Je n'aime pas les enfants. On va dire les enfants ne m'aiment pas. Je sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas que je n'aime pas les enfants ne m'aiment pas, c'est tout. Il me regarde et se met à brailler. Oh là, ça rigole. J'ai peut-être l'air effrayant, mais tu sais que je peux aussi être un gars assez sympa, non? わかってますって。でもうちの弟なら大丈夫だと思うよ。きっと。 Oh, donc il aura toujours peur, hein. Oh, eh bien, ça ne me dérangerait pas de rencontrer le petit lapin. Je vais lui faire le plus beau visage que j'ai. Allez, première étape, c'est bon. Bon alors, question suivante. So, ne. Ja, uchi no ototo to atta toki. Lui apprendre quelque chose? Tu veux que moi, j'apprenne à ton petit frère? うん。やっぱり女の私だけじゃ教えられないこともたくさんあるし、男同士のマジマ君にいろいろ教えてほしいなと思って。そうやな。 Laisse-moi réfléchir quelque chose que seul un homme peut enseigner à un autre homme. Sur les femmes, sur les hommes. On va dire sur les femmes, allez. Je vais lui dire à quel point les filles sont géniales. Ce n'est pas la même chose venant d'une femme. Le truc du bon sens, sois gentil avec les filles, protège celles qui ont besoin de protection, tu sais. Hé, ne te fais pas de fausses idées. Hé, tu n'as déjà plus de questions? Tu n'es pas du tout curieuse à mon sujet? Tu es sérieuse? Majima-kun wa toshiue to toshita, dotchi ga suki? Tu vois, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? D'accord, donne-moi une seconde. Là, je ne compte pas les jeunes femmes, les femmes âgées. On va dire les jeunes femmes par rapport à ce qu'on sait de Majima par la suite de l'histoire. J'aime les femmes plus jeunes. Otoko no hito tte, toshishita no wakai ko ga suki da yo ne? Nande to...
Eh bien, un homme veut généralement se sentir utile, comme une femme dépend de lui, et les jeunes filles ont tendance à le faire plus que les femmes plus âgées. Ah, 確かにそうかもね。あら?でも私、真島君より年上なのに、真島君に頼りっぱなしね。 Et tu peux compter sur moi encore plus si tu veux. Quel dommage. Moi, j'ai pas gagné beaucoup de points sur ça. Bien. Donc, oui, vas-y. Majima-kun,てどんな子が好きなの? Hein? Tu veux dire mon type de fille? うん。真島君のそういうの、傍から見てるとさっぱりわからないから。やっぱり元気で明るいとか? Bien sûr, mais ce genre de fille est à peu près le modèle par défaut, non? J'aime beaucoup les filles en plus des jeunes et pétillantes. Enfin, j'aime beaucoup de filles, pardon, en plus des jeunes et pétillantes. Alors elles sont bien, je les adore. Vous aimez les filles qui ne sont pas trop joyeuses et qui sont un peu plus modérées? Bah je dirais je les adore, je pense. Bien sûr, j'adore ce style. Ouais, je suis pour une fille qui est un peu plus discrète. Il y a des gars qui aiment les filles enveloppées par des bandelettes et qui ne disent rien. Les filles silencieuses ont leur propre genre d'attraction. Majima-kun, hentai d'attano ne. Aïe. Et là? Quoi? Non. Je ne le suis pas. En même temps, si tu parles de bandelette aussi, ça tourne mal un peu. Bon, ça a un peu mal tourné sur la fin quand même. Bon, ça semble être un bon endroit pour en finir avec cette journée. Bien sûr, merci pour la leçon, Majima-kun. Ouais, bon boulot. Alors voyons voir, donc ça va être une leçon, voilà, leçon normale, hop. Bon, je passe un peu le texte pour aller un peu plus vite, parce que bon, c'est toujours un peu les mêmes blabla. Surtout quand tu fais toujours des leçons normales, parce que ça serait des leçons géniales ou des leçons parfaites, forcément le texte serait différent, mais vu que je fais toujours des leçons normales, ça bouge pas des masses. Donc du coup, je fais un petit tour d'hôtesse et on se retrouve pour la suite de l'entraînement. Allez, c'est parti pour l'entraînement karaoké, donc un petit rendez-vous extérieur. On va voir ce qu'on va chanter du coup. Parce que ce qui est cool, c'est que... En fait, il y a certaines musiques qu'on peut chanter que en présence de femmes, par exemple. Donc du coup, ça permet de débloquer d'autres musiques. Je crois qu'on l'avait déjà eu avec une autre hôtesse, je sais plus laquelle d'ailleurs. Peut-être Yuki au début, je me rappelle plus. Mais du coup, il y a 2-3 chansons de karaoké, en fait, que tu peux faire que si t'es avec une demoiselle. Puisque forcément... Majima va pas chanter avec une voix féminine, même si c'est vrai que il pourrait, je l'avoue. Mais voilà. Donc c'est parti. Donc là du coup on va la coacher. Hein. Et après je crois qu'on pourra chanter aussi à sa place. Allez, on va essayer de se chauffer pour faire un bon score. Love. 汚れていく my heart 養殖魚のよ
Voilà. Bon, Majima, il en pouvait plus sur la fin. Éclaté, le mec. Il se défoule. Bon, le score était pas trop mal. J'ai fait juste un ou deux badges, je crois. Mais ouais, il y a des fois, tu te dis, t'es bon, tu vas te faire un great. Et puis en fait. Ah non, je me suis mangé 4 bads, ok. Et puis oui, c'est vrai, j'en ai loupé un aussi, j'ai oublié. Mais ouais, des fois, tu te dis, ça va être bon. T'es pile dessus, puis en fait, tu te manges un goût de ce genre de conneries. Bon, tu as du talent, Ibiki-chan, impressionnant. Eh bien, vous m'aidez, donc c'était plus facile que d'y aller seul. Je vous passe le micro, vous ne voulez pas montrer vos talents de chanteur. Donc, on va chanter la suivante. Yay, je suis impatient. Allez, on va se faire un petit Cinderella, ça faisait un moment en plus. Ça va nous requinquer un petit peu. Je la trouve très motivante en plus, cette musique, donc ça tombe bien. Ah, je me suis rattrapé sur la fin, mais c'est un petit peu le chaos, pardon. J'avais été surpris en fait au début. Par rapport à l'autre, c'est un peu précaire, mais là ça s'est vite enchaîné. Ah, ça va, 90, c'est pas mal. Ça va, c'est pas mal, ouais. Parce qu'en plus, oui, vous voyez qu'il y a un petit truc pour avoir des CP, c'est le 90+. Donc c'est plutôt pas mal, ça, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu en dis? Plutôt sympa, non? Vous avez été fantastique, Majima-kun. J'ai été complètement charmé par votre chant. La chanson était bonne aussi. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme leçon du coup? Ce serait peut-être pas une leçon parfaite, mais une bonne leçon quand même. Ouais, bonne leçon, nickel. L'entraînement d'aujourd'hui était plutôt bon. Ouais, grâce à vous, je pense avoir une meilleure idée de comment rendre le karaoké plus amusant. Merci Majima-kun. Voilà. Donc, bah c'est bon, on va pouvoir du coup préparer le crew et bah, affronter le Club Vénus. Alors ce qui est dommage, c'est que ouais, j'ai Notes Platinum qui fait la gueule, j'ai Itsuko qui fait la gueule alors qu'elle est très bonne en discussion. On va essayer de se démerder avec le reste. Hein. Il a pas mal de skills, ça peut être pas mal. Itsuko, je crois qu'il y a une meuf qui parlait beaucoup là. Ouais, hop, ça peut être bien. Ensuite, Love et Skill, elle est pas mal aussi. Je vais prendre ça, hop. Et elle. Talk skill. Par contre, en partie, j'en ai pas beaucoup là, des meufs qui s'amusent. Attends, faut que je regarde les autres parce que là, c'est compliqué. Bon, elle partie, c'est bien, elle aussi. Ah, si, ça va, j'en ai pas mal en fait. Donc, ce qui manque le plus, c'est court. Bah, je pourrais peut-être remettre une meuf qui a du skill en fait. Skill et talk, ouais, je pense que je vais prendre elle parce que sinon. Ah, 87, c'est un peu mieux. Parce que sinon, il y a quoi après? Non, je vais prendre Harumi. Voilà. Allez, hop. Non, pas open for business. On va rival battle, c'est parti. Yep.
Encore ce rire? Ouais. Et là, Majima-kun, on dirait que tu travailles dur dans ton petit club miteux, comment tu vas? Je ne peux pas me plaindre, je suppose. Et toi, alors? Ton club perd des fans, mais on dirait que tu t'en sors bien. Pas grâce à toi. Mais maintenant que je te regarde, je dois dire que tu as l'air un peu inquiet. Il y a quelque chose qui te préoccupe? C'est presque comme si une des filles de ton club avait disparu. Espèce de... Qu'as-tu fait, Yuki-chan? Allons, allons, Majima-kun. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Mais je te l'ai déjà dit, non? J'obtiens toujours ce que je veux. Hein? Espèce de fils de... Le timing est vraiment mauvais, hein? D'après notre analyse, il semble que Yuki-chan soit la fille principale de ton club. Avec sa principale attraction hors jeu, quel espoir a le club Sunshine de gagner contre nous? Tu sais, on peut toujours repousser la bataille jusqu'à plus tard, si vous mettez tous à genoux et nous suppliez. Alors? Maudit soit-il, cette saloperie ne va pas nous lâcher. Que devrions-nous faire, Majima-san? Nous sommes vraiment désavantagés sans Yuki-chan. Oh non! Allons-nous battre, Majima-san. Quoi? Bien sûr, ce sera difficile sans Yuki-chan ici. Mais si nous travaillons tous ensemble, nous serons capables de gérer une fouine comme celle-là. Et puis, si Yuki-chan est à notre place, je parierais qu'elle voudrait rester et se battre. Ai-chan, céder à un homme comme ça ne fera de bien à personne. Majima-san, allons-y, gagnons et récupérons Yuki-chan. Ah. D'accord, ouais. C'est un petit discours très inspirant, j'ai le feu aux fesses. On commence le cabaret club battle alors? C'est l'heure du spectacle. Allez, c'est parti contre Kanehara du coup. Du club Vénus. Okay. Avec sa gueule chelou là. La tête à claque. C'est parti. Hop, alors. Tac. Ah putain, sa jauge de fièvre elle grimpe de ouf alors qu'il s'est quand rien passé, limite, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de prendre voilà, une random, un peu je vais garder mes meilleures hôtesses pour les meilleurs clients, on va dire. Oh putain, direct. Ah, il a fait déjà partir le méga riche, quoi. Ça me met le seum. Bah après, c'est peut-être un départ en furie, mais après, il va peut-être se calmer, je pense. C'est souvent comme ça. Hop. C'est un peu trop exigeant, là, les méga riches. C'est un peu relou. Ça va être compliqué de les satisfaire. Hop. Un verre pour le client. Ça, c'est bon. Il a déjà un autre mode fièvre activé. Perd pas de temps, fumier. Hop. Alors là, par contre, il va être vénère dans tous les cas. Il veut quelqu'un qui a du love, sans doute que là, j'en ai pas. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Hop. Un verre pour la demoiselle. Allez, hop. Je passe la petite ciné. Refile Ice. On va mettre des glaçons. Oh, il arrive au deuxième état de fièvre là. Ça serait bien que j'en ai un là pour bombarder, mais essayer de rattraper le coup. Le client est parti, tant pis. J'ai tenté de donner un cadeau pour apaiser les tensions, mais ça n'a pas marché. On remplace le cendrier. Ah, je crois que ça y est, je vais pouvoir activer le mode fièvre. Voilà, nice. Comme ça, au moins, j'en ai deux. Bon, c'est les pauvres qui financent, mais c'est toujours mieux que rien. Là, je suis pas en avance. Hein. Bah, juste remercier la fille. Là, je vais pas trop dépenser d'argent. Parce que, encore une fois, là, on est en battle. Et le but, c'est le bénéfice net. Ah, nice. Ça, c'est bien de pouvoir étendre une petite session gratuite. Ah, l'enfoiré, il a encore fait jarter le méga riche. Putain, il fait jarter tous mes méga riches, salaud. Aïe, abusé. Ça va vraiment être compliqué, hein. Pourtant, j'ai pas mal de fans, mais s'ils me dégagent tous mes méga riches, alors que c'est eux qui donnent le plus de pognon, ça risque d'être compliqué de gagner.
Il y a déjà plus d'une minute écoulée en plus. Partie, même là en partie comme ça il est pas content. C'est mode fièvre. Un méga riche en mode fièvre fou, ça va compenser un petit peu les pertes. Voilà. Elle a perdu beaucoup de vie, elle, par contre j'avais pas fait, j'aurais peut-être dû lui donner un cadeau pour remonter un peu sa jauge. Ouais, je devais pas donner de cadeau là, mais bon, je l'ai fait par automatisme de d'habitude. Alors, qu'est-ce que... Menu, hop. Ensuite, un méga riche. On va prendre la ligne. Alors ça serait bien là, avec Saki j'arrive à remonter un petit peu parce que sinon là le mec pas content ça va pas le faire. Ou je peux peut-être remplacer. Ah avec l'autre Saki ça fonctionne mieux apparemment. Ah mais c'est pour ça en fait, c'est parce qu'il voulait la requête. Mais... C'est vrai que j'avais oublié. Parce qu'en fait des fois ils peuvent demander quelqu'un qui aime la discussion, qui aime s'amuser, qui aime parler d'amour, tout ça, ou qui est compétent. Mais des fois il requiert une hôtesse particulière. Et là pour le coup c'était Saki, c'est pour ça. Ah putain il me l'a fait dégager l'enfant. Oh, il m'a fait dégager trop de monde là. Aïe. Ça fait très très mal. Aichan a presque plus de points de vie en plus. Ça va être très très chaud cette histoire. Hey, il m'a mis mal là. En vrai, là, je suis pas sûr de gagner, j'avoue. Je suis pas très serein là. Ça change de début. Je vais attendre qu'il s'installe correctement pour tenter de balancer un mode fièvre. Voilà. Parce que tant que le petit rond ne s'affiche pas en fait de temps en dessous le siège d'hôtesse. On ne peut pas activer le mode fièvre sur telle ou telle personne, même si encore une fois c'est aléatoire, on ne choisit pas qui qui se met en mode fièvre, quoi, mais si le rond n'est pas activé, t'es sûr que ça sera pas cette personne. Non. Voilà, oh, perdu v'là de la vie, Junko aussi. Aïe. Ça va être chaud là, ils sont tous KO mes meufs. Ça va être très très compliqué. Harumi ça va, ils sont à la route pour l'instant. Ah nickel, là ça me permet de regagner pas mal d'HP sur Nemiko. Quand ils font des requêtes comme ça et que tu lui réponds bien, ça remonte pas mal les HP. Allez, je vais balancer un petit mode fièvre. Ça va être tendu quand même, je sens pas trop. Ça a très très mal commencé. Et que sur la fin je me rattrape, mais malheureusement j'ai très peu de méga riches. Donc je sais pas trop. Alors, je vais donner un cadeau à Aï parce qu'elle est en PLS niveau point de vie. Voilà. Elle, ça va niveau point de vie, ça passe. Je vais juste la remercier. Hop. Ici, bon, il est n'importe qui. De toute façon, il reste 11 secondes le plus gros effet. Menu. Je vais mettre elle. Qu'est-ce qu'il veut? Un client pour le monsieur. Un verre pour le monsieur. A chaque fois, j'inverse ce truc. En fait, c'est parce que je lis en anglais, du coup, je le dis en version anglais, parce que guest, c'est invité, quoi, client devant. Donc forcément, moi, je le dis dans ce sens-là. Donc je dis du caca en français. Alors, verdict. J'ai eu un peu plus de clients. Ouais, ça va. C'est bon, j'ai gagné. Alors, 8 millions, ça paraît énorme, mais l'écart, en vrai, il est pas si élevé que ça, hein. C'est 6 millions. Et c'est juste que lui a balancé beaucoup de cadeaux et moi j'ai évité de trop en balancer, on voit la nette différence quand même. Et j'ai eu un peu plus de clients parce qu'il m'en a dégagé pas mal quoi, mais alors... J'étais vraiment pas sûr de gagner là pour ce coup là, ça a fait partir en coup quand même.
Et hop, du coup, vous voyez que j'ai 12 000 fans dans la zone Vénus, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, j'atteins le rang S, et après on va s'attaquer à la zone Lune. Donc on va voir la suite des événements, ce qui s'est passé avec Yuki, parce que du coup elle a été kidnappée, serait bien qu'on la retrouve quand même. Comment pourrais-je perdre contre ces perdants, moi? Et le client Sunshine n'a même pas encore été chauffé. Tu en as eu assez? La justice prévaut toujours. Inconcevable. Non, 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 non! Je n'étais pas censé perdre, j'étais censé gagner. Je ne l'ai pas encore fait tomber. C'est bon, Kanehara, laisse tomber. Je suis resté à tes côtés pour ta quête, dans ta quête pour dépasser Tsukiyama-san. Peu importe la détermination et même la manie des choses, je sais que tu ferais tout pour y arriver. Mais il est temps de laisser tomber. Je ne veux pas te voir souffrir plus longtemps. Laisse le poids tomber de tes épaules et sortons d'ici. Tu es d'accord avec ça? Chika. Hein? Ne me cherche pas. Je vois pourquoi j'ai perdu maintenant. C'est toi, Chika. Tu te relâchais et tu n'as pas fait ton travail. Je n'aurais jamais... C'était toi, pas moi. Je n'ai rien fait de mal. Je t'ai laissé être avec moi parce que je pensais que tu serais utile. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je n'ai plus besoin de toi. Fous le camp d'ici. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Comment as-tu pu... C'est tellement mauvais. Chika a fait de son mieux pour toi. Ferme-la, toi. Tu ne sais rien. Ça ne peut pas être la fin pour moi. Comment tu peux comprendre la pression que je subis? Majima, je ne vais pas rester au sol. Sors et bats-toi contre moi. Un homme laid jusqu'à la fin. Ferme-la. Je me fiche de ce qu'on pense de moi. Personne ne va m'arrêter. Tu es à moi, Majima. Bien. Mais quand je gagnerai, tu me rendras Yuki. Allez, on va lui refaire le visage. On va lui faire une tête de bonhomme. À coups de coude et de genoux dans la bouche. C'est parti. On va changer de style. Alors, monsieur n'est pas très rapide dans ses attaques, par contre, il met toujours en sueur. Ah, l'enfoiré, il me stone, quoi. Je vais changer de style en vrai, je vais faire ça. Vas-y, mange. Allez, arrête de contrer, voyons. Attends, je vais sortir la batte de baseball, il m'a saoulé. Je vais lui refaire le portrait à coup de batte de baseball, il va comprendre, il en a marre. Vas-y là, putain, je voulais faire le mode feu, ça s'est pas déclenché. Fumi. Tiens, mange-moi ça. Allez, boum. Fais-moi le malin là, quand je sors la bête de baseball. Net dans la gueule, ça suffit. Comment pourrais-je tomber face à une bande de perdants comme vous? Ça ne peut pas arriver. C'est toi qui traites tout le monde comme des pions, comme tes pions personnels, et tu nous traites de perdants? Je ne l'accepterai pas. J'exige qu'on recommence. Comme c'est pathétique, Kanehara.
Tsukiyama, San. De penser qu'un misérable comme toi était autrefois considéré comme le numéro 2 des 5 stars. Je te suggère de te retirer avant de me causer plus d'embarras. Tsukiyama-san, je voulais seulement vous surpasser. Jamais de la vie. Maintenant plus un mot. Tu es inutile et je veux que tu disparaisses de ma vue. Si tu ne le fais pas, je peux prendre quelques dispositions. Merde. Merde. Tsukiyama. Ça fait un moment, Majima-san. Mes humbles excuses si mon sous-fifre inepte a réussi à vous causer des ennuis. C'était votre équipe, pas vrai? Si vous voulez vous qualifier de patron, alors vous avez échoué tout autant. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis gêné. En tout cas, vaincre le club Vénus, c'est tout un exploit, Majima-san. Bien que je n'attende rien de moindre du manager du cabaret Gantz. Je suis vraiment honoré. D'abord c'était Ino, et maintenant Kanehara. J'irais que les 5 stars ne sentit plus autant. Pour être franc, je ne me soucie guère des 5 stars. Si ça fait faillite, c'est vraiment un faux problème. Kanehara, en particulier, est devenu très vaniteux après avoir obtenu un peu de pouvoir et d'argent. Je savais que je devrais me débarrasser de lui à un moment donné. Et c'est ce que vous avez fait pour moi, Majima-san. Je ne peux pas vous remercier assez. Mais tôt ou tard, je devrais peut-être intervenir et vous affronter moi-même. Appelez ça un pressentiment. C'est mutuel. J'attends donc avec impatience le jour où je pourrai personnellement mettre fin à vos activités avec le club Sunshine et le cabaret Grant. Adieu. On dirait que nous allons bientôt affronter Tsukiyama. Majima-san. Ah. Yo, Chika-san. Chan. Je suis vraiment désolé pour Kanehara. Chika-chan. Ah. Peu importe. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais tu vas bien, Chika-chan? Pas vraiment, je crois. Je ne pensais pas qu'il me dirait quelque chose comme ça. Le club va probablement être fermé aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Si tu veux, pourquoi tu ne viens pas travailler pour nous? Quoi? On n'a pas Kanehara, donc tu ne travaillerais plus avec ton petit ami. Et comme l'a dit Kanehara, comparé au Vénus, le club Sunshine a l'air un peu minable. Les filles et le propriétaire sont un groupe assez bizarre aussi. Et venant de moi, eh bien, ça veut dire quelque chose. Mais tu sais, j'aime le Sunshine tel qu'il est. Travailler ici me fait sourire. Peut-être que si tu venais à bord, tu te retrouverais plus souriante qu'à l'ancien club aussi. Je pourrais travailler avec un sourire. Ah. Ouais, peut-être que les larmes sont larmes d'une femme parfois, mais je dis qu'un sourire apporte beaucoup plus de chaleur. En y repensant, je ne pense pas avoir souri depuis un moment. Le travail, l'amour, ces deux choses auraient dû être beaucoup plus amusantes. Quelque part en chemin, j'ai perdu tout ça. Chika-chan, vous êtes le Goro Majima du club Sunshine, c'est ça? J'ai hâte de travailler avec vous. Ouais, c'est sûr. Merci. Et on recrute du coup Chika. Et regarde-moi ça, tu souris. Et c'est comme si le soleil venait de traverser les nuages. Vous le pensez vraiment? Ça me rend si heureuse. C'est vrai? Faire du charme aux clients juste comme ça. Je suppose que tout est bien qui finit bien. Il est temps de célébrer notre victoire. Bien vu. Vous avez tous fait du bon travail aujourd'hui. Allons faire sauter quelques bouchons. Et là, vous demandez sûrement, bah Yuki, on l'a oublié, qu'est-ce qui se passe? On n'oublie pas quelque chose? Ça ne pouvait pas être important. Yuki. Alors que voilà, elle était attachée au-dessus. À l'aide. Voilà. Donc du coup, on a quand même récupéré Yuki, mais... C'est la cinquième roue du carrosse, la meuf, quoi. La pauvre. Le Club Moon de Tsukiyama est le seul club restant. Le Club Moon a toujours placé la barre très haut. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions au même niveau qu'eux, encore moins avoir une chance de gagner. Aïe. Allons nous battre dans la zone du Club Moon. Donc maintenant, on peut désormais gagner des fans dans la zone du Club Moon. Donc ça, c'est nickel. Donc les prochains entraînements, du coup, bah, quand je ferai des tours d'hôtesse, bah, ça sera au Club Moon, bien sûr.
Donc, on va continuer l'entraînement spécial, puisque là, forcément, avec le défi, ça a déclenché la suite. Donc, on va attaquer le service client numéro 4 de Ibiki. C'est parti. D'accord. Hey, Ibiki-chan, faisons une autre tournée, d'accord? Oui. J'aimerais beaucoup Majima Kun. Parfait. Mettons en mode, Majima est un client régulier. Haha, pas de problème, ça va être amusant. Bon, alors, c'est parti. Zuya. Alors, dis-moi, Ibiki-chan. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir OTS au départ? Hiruma wa ototo no sewa ya kaji ga aru kara. Hataraku to shitara ototo mo neteru yore no hou ga ii kana to omotta no. Sore ni yore no oshigoto no hou ga okkyūryō mo ii shi, oya no shakkin no katagawari to ka shitete okane ga hitsuyō na no. Naruhodo na. Je vois. Donc soit on pose quelle dette, soit ratisse l'argent, je m'inquiète. On va lui dire ratisse l'argent, puisque de toute façon, quelle dette, elle nous en a déjà parlé, donc ça devrait le faire. Je te comprends. Dans ce cas, j'espère que tu vas vraiment le ratisser. Ça marche bien pour le club aussi. C'est vrai. Si tu essaies de brûler la bougie par les deux bouts pendant trop longtemps, tu vas forcément le sentir. Fais attention à ta santé maintenant. Arigato, Majima-kun. Naruhodo na. Je vois. Alors tu as commencé tout ça pour le bien de ton frère et de ta famille. C'est une cause aussi noble que les autres. So itte moraeruto sukoshi hotto suru wa. Tada, fuan ni omotteru koto ga atte. Vraiment? Qu'est-ce qui te dérange? Sono. Yuta ga okiku natte watashi no shigoto o shitta toki, hyotto shite, iya, kitto watashi no koto o keibetsu suru ni chigai nai tte, so omou no. Eh? Pourquoi ça? Yappari kono o shigoto tte, shakai tekina henken mo mada tsuyoi shi, anmari ii imeji ga nai janai? Je vois. C'est respectable, il comprendra. Bah, je veux dire, c'est respectable. Je ne suis pas d'accord. Je dis que ce travail est tout à fait respectable. Si tu as confiance en ton travail, tout ira bien. Et seul un idiot va critiquer une femme qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, quel que soit le travail. Ouais, c'est ça l'esprit. Bon, j'ai pas gagné de points, hein, c'est pas ouf. Comment ça se passe avec ton frère d'ailleurs? Tu veux quelque chose? Yappari, chichoya kana? Eh? Un père? Watashi ga okaasan gawari mitai ni natteru kara, otousan gawari ni naru youna suteki na hito ga arawaretara ii na tte. Naruhodo na. J'ai compris, mais il faudrait qu'il soit quelqu'un de prêt à travailler pour être père, tu sais. Majima-kun mo sugoku ii papa ni narisou da to omou yo. Alors j'ai les mains occupées, je ne sais pas, je le pense aussi. On va dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas doué pour m'occuper des enfants. So kana. Demo Majima-kun te tayoreru shi, toki ni kibishiku shikatte kureru shi, risou no chichioya zou ni chikai to omou nda yo ne. Je dois dire que ça fait du bien venant de toi. Mais un papa, hein. Je me demande si ce jour arrivera. Ouah, je gagne 0 points là, ça va être... Zuya. Alors, qu'est-ce que tu fais quand ton petit frère veut jouer? So ne. Télévi game o suru koto ga oi kana. Les jeux vidéo, hein. Shiranai? Ie no télévi ni tsunagete asoberu game ki. Ninki nan da yo. Oh, ces trucs. Alors, on va dire la méga drague, non? Le petit clin d'œil à Sega, forcément.
Oui, j'en ai entendu parler. Ce truc de Mega Drive vient d'arriver en magasin, non? Il parle d'une merveille de la techno qui fait du 16 bits, des trucs qui font fureur, je suppose. Eh? Mega Drive? Ya, sore janai ya. Motto hayatteru hou no yatsu da yo. On ne dira pas le nom, mais ça s'appelle la NES. On va pas faire de la pub aux concurrents. Tu dis que la Mega Drive n'est pas encore populaire? Ouais, je parie que ce sera la genèse de quelque chose de plus grand. Genèse, forcément, en fait, en anglais, c'est Genesis, hein, rappelez-vous. Donc, forcément, aux États-Unis, elle s'appelle la Genesis. Donc, forcément, petit jeu de mots, tout ça, quoi. Bon, on a vu ce que ça donnait par la suite, hein, Sega, on va pas cracher dessus, mais bon, c'est un petit peu sombré de ce côté-là. Contentez-vous de faire des jeux, ça ira. Je pense que c'est à peu près tout pour ce tour. Bien sûr, merci pour la leçon, Majimakun. Bon, la leçon était nulle à chier. Voilà, leçon fail, carrément. Aïe. Arf. Eh bien, mais pas de mais à ce sujet, c'était horrible. Quand on a un vrai client, il faut s'approprier cette conversation, Ubiti-chan. Je suis désolé, Majimakun. C'est bon, probablement juste un jour de congé. Oui. Aïe, putain, j'ai presque pas XP, quoi, nul à chier. C'est triste. Bon, du coup, je vais refaire un petit tour de chauffe. Et puis, bon, on se retrouve pour... Bah, je crois que c'est l'entraînement final, après, il me semble, si j'ai pas de conneries. De toute façon, on va voir ça dans quelques secondes, pour nous. Et donc, c'est bien l'entraînement final, donc c'est parfait. Comme ça, après, on pourra enchaîner sur la dernière hôtesse qu'on a trouvée, Chika. D'accord, Ibiti-chan, je pense que ces conversations t'ont mis dans une bonne posture. Alors, faisons en sorte que ce soit la dernière fois. Vraiment, ça me rend à la fois triste et heureuse. Merci de faire ça, Majimakun. Tout juste, faisons le truc du client régulier. Hé, compris, je vais faire de mon mieux. Alors, d'accord, c'est parti. Donc c'est la dernière discussion. J'ai l'impression qu'on a parcouru un bon bout de chemin ensemble. C'est à propos des dettes dont tu as parlé? C'est vrai, tu l'as évoqué, mais j'ai pensé que tu me le dirais le moment venu. Je vois. Donc tu as repris la dette et tu t'occupes de ton frère en plus de ça. Puis-je aider? C'est trop, tu es incroyable. Je vais lui proposer mon aide. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Si l'argent est le problème, je suis sûr que je peux trouver une solution. Si c'est ce que tu ressens, je peux respecter ça. Mais si quelque chose arrive, tu me le fais savoir, compris? J'ai pas gagné de points pour ce coup-là. Aïe. Comment va ta mère? Je vois. Ton frère est fier aussi, tu es chanceuse. On va dire ton frère est fier aussi. Je parie que ton frère ressent la même chose pour toi que tu ressens pour ta mère. そうかな? Ah. Ouais, les enfants sont sensibles au dur travail de leurs parents après tout. Tu l'as remarqué? Et je parie que quand tu es fatigué, ton frère le reconnaît aussi. Alors ne le fais pas s'inquiéter pour toi.
Quand tu auras besoin de repos, assure-toi de le prendre. Majima-kun no advice tte fukai na. Nanka sugoku odayaka na kimochi ni natta yo. Sasuga Majima-kun. Toujours pas gagné de points, elle me dit je suis merveilleux tout ça, mais le cœur il est à zéro là. Alors tu as des rêves ou des buts pour le futur? Shōrai no? Ah oui, genre tu veux te marier? Kekkon? Eh, Majima-kun to? Oh non, non, pas moi. Ah, nanda, bikkuri shita. Mochiron, shitai kimochi wa aru kedo, ototo no koto ga aru kara ne. Souda, Majima-kun. Watashi ni wa donna hito ga niyau to omou? Donna hito to kekkon sureba ii kana? Ne te marie pas, un mec avec un grand cœur, moi. On va dire un mec avec un grand cœur. Je pense qu'un gars avec un grand cœur serait bien. Quand on considère ton frère, on a besoin de quelqu'un qui peut tout accepter. Naruhodo. Utsuwa no okisa ka. Soyu imi de wa Majima-kun nanka pittari kamoshirenai ne. Peut-être que si. Hey, tu veux te marier? Ah, bah on a cru voir ça tout à l'heure déjà. Très bien, je pense que c'est dans la boîte. Merci d'être resté si longtemps avec ça, Ibiki-chan. Fier?借金を返すためになくなく始めた感じだったから正直今まであまりこの仕事に誇りも愛着もなかったんだ私でも真島君の情熱やお店への愛に触れるうちに私もどんどんこのお仕事が好きになってきたみたい昔は隠したりしてたけど今ならら胸を張って私はキャバクラで働いてるって言えるよ Ibiki-chan, je ronronne, merci. Allez, on va dire je ronronne. Parce que rappelez-vous que pour... Il me semble que c'était elle, hein, oui, je crois que c'est elle, mais bon. Des fois, quand elle est... Je sais plus, quand elle est gênée ou un truc comme ça, elle parle en mode chat, donc elle fait des bruits de chat et tout. Je ronronne de plaisir. Ah, moi, Majima-kun tara. Aïe. Et voilà, j'espérais pouvoir entendre ça à nouveau. Mais merci, Ibiki-chan. Je suis un homme chanceux. J'ai bien envie de travailler avec toi pendant longtemps. Bien, terminons ça. D'accord, merci pour la leçon, blabla. Évidemment, c'était une mauvaise leçon. Plus ça va, plus je fais de la merde dans les entraînements. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Au fait, Ibiki-chan, as-tu déjà dit à Yuta-kun que tu travaillais ici? Oh oui, il sait où se trouve le club. Comme ça, il peut venir me trouver en cas d'urgence. Une fille intelligente. En train de mettre en place des plans si quelque chose devait arriver, ça ne doit pas être facile d'élever un petit enfant. Eh bien, il n'a pas la vie plus facile que moi. Il doit se sentir seul avant de s'endormir le soir. Ouais, je peux seulement imaginer à quel point ça doit être dur et flippant d'être seul à la maison à 7 ans. Je devrais y aller. Ce fut un plaisir, comme toujours, Majima-kun. Bien sûr. Bon travail aujourd'hui, Ibiki-chan. Bon, j'ai besoin d'un peu d'air frais et d'une cigarette. Qu'est-ce qu'il y a avec ce gamin? Hé, petit gars, qu'est-ce qui t'amène ici si tard?
Tu as besoin de quelque chose du club? Ah! Qui êtes-vous? Je m'appelle Majima. Ne te laisse pas tromper par le visage, je suis le manager de cette maison de plaisir. Majima-san, le manager? C'est mon nom, gamin. Ne l'abîme pas. Vous devez me laisser travailler ici. Oh, bien sûr, gamin. Il suffit de remplir un formulaire. Attends, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Majima-san? Pourquoi criez-vous? Oh, salut, petit ange. Ne me dites pas... Vous avez kidnappé ce petit garçon? Quoi? Yuki, pourquoi je... Bah, écoute, petit gars, finissons cette discussion ailleurs. D'accord. Yuki-chan, tu tiens la barre. Quoi? Alors, gamin, dis-moi pourquoi tu veux travailler dans mon club? Parce que je veux aider. Aider? Aider qui? Ma grande sœur. Ta grande sœur, hein? Est-ce que tu es Yuta-kun? Oui, c'est moi. Comment vous savez? J'ai beaucoup entendu parler de toi, par Ibiki-chan, en fait. Oh, vraiment? Ma grande sœur parle de moi? C'est trop cool. Tu serais étonné. Elle ne parle que de toi. Alors, c'est quoi cette histoire de travailler au club? Laisse-moi deviner, tu te sens seul à la maison? Tu t'es dit que si tu travaillais au club, tu pourrais traîner avec ta grande sœur? Je me sens mal. Mais ce n'est pas pour ça que je veux travailler. Je veux aider ma sœur. Tu veux l'aider? Oui, je sais qu'elle travaille très dur ces derniers temps. Je pense qu'elle le fait pour moi. Mais j'ai peur que si elle continue à faire ça, elle tombera malade comme maman. C'est pour ça que je veux travailler. Si je peux aider ne serait-ce qu'un peu, Ibiki n'aura pas à travailler si dur. Elle ne sera pas malade. Alors Majima-san, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi travailler dans votre club. Je suis presque sûr qu'il y ait une loi ou plus contre ça. Je ne peux pas faire ça, je veillerai sur ta sœur. C'est-à-dire, je veillerai sur ta sœur. Tu n'as pas besoin de faire ça, Yuta-kun. Je vais veiller sur ta sœur et m'assurer qu'elle ne se surmène pas. Vraiment? Alors Ibiki ne tombera pas malade comme maman? Pas possible. Je ne laisserai jamais Ibiki tomber malade en travaillant trop. C'est une promesse. Yuta-kun, tu es encore un enfant. Les parents doivent s'inquiéter pour leurs enfants, mais les enfants ne devraient pas s'inquiéter pour leurs parents. Ou de leur grande sœur, d'ailleurs. Tu fais ce que tu es censé faire quand tu es enfant. Étudier dur, se faire beaucoup d'amis, et faire du cheval. C'est ce que Ibiki-chan veut pour toi aussi. Vous croyez? J'en suis sûr. Un jour tu seras un homme, et tu sauras qu'il est temps d'agir. Tu veilleras à aider ta sœur quand ce jour arrivera. D'accord, je vais faire ça. Je vais vite devenir un homme. Et puis je pourrai aider maman et Ibiki beaucoup. C'est l'esprit. Ça les rendra toutes les deux très heureuses. Ibiki et ta mère t'aiment, Yuta-kun. C'est pour ça qu'elles travaillent si dur, jour après jour. Elles veulent s'assurer que tu as des opportunités. Hé, vous le pensez vraiment? Ouais, c'est comme ça, petit gars. Donc tu me laisses faire, je vais m'assurer qu'Ibiki ne se surmène pas. Et c'est une promesse que je te fais, d'accord? D'homme à homme. D'homme à homme? Hé, Majima-san, vous êtes trop cool. Je ne le sais pas. Bon, d'accord. Je dois retourner au club avant que Yuki-chan le brûle. Prends soin de toi, Yuta-kun. Ouais. Merci, Majima-san. Très bien, au revoir. Quel bon petit gars, se soucier de sa sœur comme ça. Tous les enfants ne sont pas comme ça à son âge. Sniff, sniff. Ibiki, tu chiales. Genre, elle nous a espionné, quoi. Quoi, tu as entendu tout ça? Je crois que vous m'avez attrapé. Hey, Yuta-kun est une bonne petite âme. Vous avez raison.
Il n'écoute peut-être pas un mot de ce que je dis, mais il se soucie de moi à sa façon. Le voir avec vous m'a fait réaliser qu'il grandit d'une façon que je n'attendais pas. Je ne pourrais pas m'empêcher de pleurer. Je ne pouvais pas, pardon, m'empêcher de pleurer. Ça me rendait si heureuse. Si tu l'aimes comme une mère le ferait, vous faites une bonne paire, vous deux. Un frère et une sœur qui se soucient vraiment l'un de l'autre. Haha, merci. Je vais devoir travailler beaucoup plus dur pour Yuta. Ne t'avise pas de le faire. Tu travailles déjà dur pour lui. Et si tu tombais malade, je romprais ma promesse. Oui, je sais. Mais ça va aller. Parce que vous allez veiller sur moi à partir de maintenant. N'est-ce pas? Ah. Tu parles. Bien sûr. Promesse ou pas, j'ai toujours voulu te protéger, Ibiki-chan. Hmm? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je suis le manager ici. C'est mon travail de vous garder en sécurité, les filles. C'est comme ça qu'on fait. Oh, j'aimerais que vous me protégiez, même si je n'étais pas une fille sur la liste du club. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te marmonnes à toi-même, là. Ce n'est rien du tout. Miaou, retournons au club, Majima-kun. Tu es un mystère pour l'éternité, Ibiki-chan. Tu m'étonnes. Et voilà, du coup, la quête avec Ibiki est terminée, et on gagne un petit CP, mais on gagne pas d'XP beaucoup, puisque j'ai fait une leçon de merde, youhou. Voilà. Bon bah c'est bien, du coup on a bien avancé, la prochaine fois on attaquera l'entraînement de Chika. Alors j'ai gagné pas mal de sous aussi, puisque là forcément j'ai gagné une nouvelle zone, donc j'ai 1 500 millions, on va peut-être les dépenser maintenant. Du coup, je vais voir Slugger. Alors évidemment, là, je suis encore stoppé par les histoires de maître qu'il faudrait que je fasse aussi. Breaker, est-ce que je peux augmenter des trucs? Parce que là, c'est pareil, c'est très très cher. Je vais regarder un peu. Donc ça, c'est le boost de vie. Coin Strike, c'est quoi? Ça a l'air d'être sympa, ça. Contre 3 ennemis, appuyez sur triangle. Bon, faut être à la 3ème barre, par contre. Bon, allez, je vais le faire, ça peut être sympa. Hop. Ensuite, ça c'est cool. R1, rester proche d'un ennemi, c'est cool. R1, c'était... Ok, je sais pas trop. Breaker, Golden, Gamble. Ouais. Là c'est cool. Ouais. Ouais, je suis pas trop convaincu par ces autres moves en fait. Je pense que je vais faire celui-là. Voilà. Ok. Il me reste des sous-sous. Je vais essayer de les dépenser pour acheter les derniers bâtiments là dans la zone du Club Moon. Pour gagner des fans un peu plus vite. Je vais voir aussi au passage si je peux déclencher la suite de la quête. Je regarde. Ça a pas l'air... Je comprends pas. Je pense que je vais aller checker sur internet parce que je l'ai pas encore fait pour l'instant. Mais là, je commence vraiment à me poser des questions. Il va falloir que je check. Il y a peut-être une condition qui fait que j'aurais zappé une autre quête qui permet de débloquer celle-ci. Je sais pas. Est-ce que je vais réussir à choper cette quête là? Parce que là, pour le coup, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi cette foutue quête ne veut pas se déclencher? Allez, c'est parti, on va faire quelques achats rapidos. Alors c'est assez cher, donc je sais pas si je peux en acheter des masses, mais ça donne pas mal de fans d'un coup, donc ça permet de gagner du temps. Et apparemment, stylé, j'ai gagné une canne à pêche, ou une autre. J'avais refait un peu de pêche d'ailleurs avec Kazuma, j'avais pêché des poissons de 5 mètres de long. Je sais plus c'était quoi leur nom, le nom il est complètement imprononçable. Ils étaient assez ignobles comme poisson. Mais ça se vendait, je crois, 75 000 yens, ce qui était pas mal.
Et j'avais pêché aussi un thon, je crois de mémoire, je sais plus quel état il faisait, celui-là, ça m'avait... J'avais pu le vendre pour 500 000 yens par contre celui-là. Donc c'était très très rentable pour nous. Hop. Ah bah celui-là est déjà beaucoup moins cher. Hein. Voilà. En plus on gagne un CP. Ensuite c'est là que ça se termine la zone. Moon, après on attaque l'autre zone, donc il faut rester ici. Y'a rien à acheter ici, bizarre. Même là? Ah quand même. Ça doit être cher ça, non? Vu la taille. Ouh, ouais c'est très très cher. Par contre ça donne beaucoup de fun. Voilà, on va pas s'en priver. Ensuite... Je sais pas si je vais avoir beaucoup de sous pour acheter encore beaucoup de choses, mais... ah nickel, bah voilà, ce sera le dernier achat pour le moment. Donc j'ai déjà ouais, 5900 fans, donc ça va, c'est quand même très rapidement monté. Sûrement encore d'autres trucs à acheter. Je vais quand même aller là-bas voir si la suite de la quête se déclenche, même si là on doit être déjà plus d'une heure. Mais juste pour voir, ce que je comprends pas en fait. Je vais check sur internet là entre deux. Parce que je comprends vraiment pas pourquoi ça se déclenche pas en fait. Moi il me semblait que c'est dès que tu passes là, ça se déclenche. Et là, bah non, ça veut pas se déclencher, quoi. C'est quoi, y'a un truc à faire ici? Ah, on peut l'acheter, ça. Combien il coûte? 56 000, ça va, c'est pas très cher. Moi, bon, j'ai pas les thunes, mais quand je les aurai, on verra, quoi. Ok, bon, bah, écoutez, je vais sauvegarder ici. Et puis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. De mon côté, bah, je vais aller check. Parce que là, je comprends vraiment pas pourquoi ça se déclenche pas. Du coup, dans la vidéo suivante, je pense que... si j'arrive pas à déclencher cette quête après mes recherches, je vais continuer d'XP un petit peu bah, mes hôtesses, faire les entraînements spéciaux, peut-être en faire deux ou trois. Et après on retournera à Kamurocho pour avancer l'histoire principale. Et on verra par la suite pour revenir ici et refaire d'autres trucs, mais j'avancerai un peu l'histoire principale. Parce que ça fait un petit moment qu'on s'est focus sur secondaire, donc voilà, faut que j'alterne un petit peu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que bah, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Puis bah, on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus.